chaque année, les Nations Unies choisissent un thème pour lancer la journée. Le thème de l'année, c'est facture numérique. Ma pourrais dire, thème année ça, pour le monde entier, pour tout le monde qui a consommé produits, etc., Nations Unies choisi, c'est facture numérique. Mais nous-mêmes, nous pas qu'à parler de facture numérique parce que nous pas béaba dans le numérique. L'homme dit nous pas béaba dans le numérique, nous qu'à considérer le numérique comme Internet, téléphone cellulaire, tout l'autre bagaille qui fait à partir de téléphone cellulaire, mobile, etc. Nous, nos pays, côté, nous gagnons environ 6 millions de monde qui gagnent un téléphone mobile dans le monde. Donc, thème ça, pas d'accord, pas intéressé, nous, thème des Nations Unies choisi. Dans l'année 86, arrivé jusqu'à 96, nous avons 60 000 lignes téléco, tout le monde te connaît, qui j'en te connaît pas ces misères, pour jouer nos lignes téléphoniques. Ça compte pour 10 ans, on te déposé dans téléco. C'était tout on vente aux enchères. Maintenant, de 60 000 nous avons, l'enpôtre qui a un bagage numérique, ça yo, nous passons à 6 millions de lignes entre deux opérateurs nous avons, Digicel, Natcom. Mais, pour question de internet, nous dans Caraïbes là, nous zéro. Nous pouvons jamais gagner 4G LTE officiellement. Ça veut dire dominicain là sur internet, il change page, il chap chap sur téléphone, chap chap chap. Nous même nous compte 3 4 minutes là n'a télécharge mon bagage sur WhatsApp, sur tout réseau sociaux. Nous même nous dans état embryonnaire de affaire internet mobile. Premièrement, nous avons besoin d'identifier le problème Internet dans le pays pour nous avoir une facture numérique. Internet n'a pas fait pour un groupe de monde civilisé, un groupe de monde qui est dans la ville, un groupe de monde soi-disant. Il faut nous négocier, travailler pour Internet arriver dans tout faubourg, dans tout côté de monde reculé parce que son service est lié. Donc, nous ne pouvons pas parler de facture numérique. L'en considérer pays ça, LTE 4G a disponible. Chance pour nous, on bon, malchance pour l'autre bord, nous avons deux opérateurs seulement. C'est Digicel et Natcom. Avec un régulateur qui c'est la Conatel. Si 4G est disponible, pour qui ça fait ici, on ne peut pas aller téléphone sur Internet, pour le passer flap, 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 flap. Comme si je suis à Montréal, comme si je suis à Paris, comme si je suis à Bonn, je suis à Berlin. Je suis capable de dire, c'est le régulateur. Yo là, yo gen un an, selon l'information, nous avons depuis à faire test sous lit. Nous pas qu'à jodi à haïtien, y a fait journée mondiale consommateur sous affaire numérique pour nous téléphone mais nous pour nous prendre à internet, c'est 3 heures de temps pour faire pour télécharger une vidéo, télécharger une voice. Faut que le régulateur mette en application 4G LTE pour tout haïtien qui a levé joindre. Et faut que vous fassiez gros effort pour lui tout côté. Ce n'est pas même seulement dans la ville au Cap, dans la ville Port-au-Prince, dans la ville de Caille, pour m'avoir accès à Internet. Faut que vous chiter un petit côté Jérémy, un petit côté Foncochon, pour me capable toujours gagner même accès. Parce que ça, c'est onde, c'est dans l'air allié. C'est comme le soleil là. Le soleil n'a pas choisi côté pour le lever. Donc là, faut nous travailler dans ce sens.